Depuis la crise sanitaire du coronavirus, les entreprises africaines sont essentiellement confrontées à des défis tels que des difficultés d'acquérir de nouveaux clients, une baisse de la demande ainsi qu'un manque de trésorerie. Ces perturbations subies devraient faire chuter leurs revenus d'environ 18% en 2020 par rapport à 2019, décrit un récent rapport conjoint publié par la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, CEA, et l'International Economics Consulting. Malheureusement, pour les États africains, l'agonie va se poursuivre. Il n'y a pas de plan de résilience possible, surtout pour certains de nos États qui n'ont même pas le pouvoir de battre monnaie. Donc, je propose aux États africains qui ont le pouvoir de battre monnaie de jouer sur la planche à billets, c'est-à-dire créer des moyens de paiement. Et on donne donc ces moyens à une classe moyenne africaine, ce qui fait que vous avez donc en face de vous un marché réel, parce qu'on a parlé de la demande tout à l'heure. Avec la crise économique, les performances des entreprises africaines sont réduites et les entreprises tournent actuellement à environ 50% de leur capacité, indique la CEA. Malgré les aides gouvernementales destinées à amoindrir les effets néfastes de la pandémie, les deux tiers d'entre elles n'ont pas pu en profiter pleinement. Il y a de fortes chances que maintenant les entreprises peuvent penser à aller hors des zones économiques actuelles pour aller mobiliser des financements qui leur permettraient maintenant de produire. Face à une population qui est un marché captif, doté d'un pouvoir d'achat certain, le cycle économique va se refaire. Selon la CEA, de nouvelles opportunités s'offrent aux entreprises africaines pour affronter la crise. Il convient pour celle-ci de s'orienter vers les nouvelles technologies, notamment le développement de plateformes en ligne, une aubaine pour accélérer le commerce électronique.